carte de séjour, bande de sans-papiers. Moi, je suis française, hein. Et effectivement, j'ai le mal de l'air. Toi, tu crois qu'une femme peut avoir le niveau de vie que j'ai, le rythme de vie que j'ai, et manquer de l'argent du billet d'avion? Hein? Tu sais que je n'ai pas le visa. Regarde mes villageoises comme ça. Est-ce qu'on prend le visa? Moi, je prends le visa pour venir en Afrique. Je ne prends pas le visa pour partir de l'Afrique pour l'Europe. C'est un passeport européen, français. Hein? Tu as dit que tu as travaillé en Suisse. Tu n'as été qu'une prostituée. C'est pour ça qu'on t'a chassé de la Suisse. Hein? Va écouter mes lives. Quand j'ai fait le bilan avec Orca, ils vont te dire comment le virement a fait pour arriver. Ma vie est traçable. Va un peu demander un virement de 30 000 euros. On te le vit au Cameroun comme ça, sans tracasserie, on voit. Ma vie est traçable. Je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas comme toi. Tu as compris? Villageoise, cotiseuse. Cotise 500 francs pour réaliser quelque chose. Cotise 500 francs pour... Désormais, toi, il paraît que tu es allé prendre un vieux appartement meublé à Ouja. Hé, hey, vraiment de Dieu. Zoa, tu vas péter le câble. Tu as même mis quoi sur tes yeux comme ça, ma? Mais je baisse la musique, la baisse. Baisse ça. Attendez, je vais baisser ça. Il faut baisser, s'il te plaît. Papa, merci. La fille, elle a fait les frites. Je dis, hein? Elle a laissé ma part. On peut commander la nourriture, mon fébé. Comme ma femme de ménage n'est pas là. Elle a perdu ça. Baisse la musique, là! Baisse depuis ton téléphone. Je vais aller commander parce que là, la femme de ménage n'est pas là. Elle a perdu sa soeur, dont elle est au deuil. C'est pour ça que vous voyez le bordel comme ça. Elle peut même plus. Zoa, je ne peux plus ranger. Hein. J'ai plus la force. Je n'ai plus la force de ranger les choses. J'ai essayé, mais je ne peux pas tout ranger. Elle n'a pas travaillé aujourd'hui. Elle ne travaille pas demain. Donc, on va aller. Ouais, la mère, ton niveau est très haut. Dis-moi d'abord mon sac l'ancêtre. La douce, je ne parle pas 10 000 fois. Hein? Le sac est là. Le sac l'ancêtre, c'est quoi? Ça vaut ce que tu fais pour moi, là. Moi, je ne suis pas attachée au matériel. Hein? Vous avez vu tout ce que j'ai trié ici? Ça part, et que ça y est. Je donne, je sais donner mes gens. Je donne. Et je vous dis que la sœur qui est partie... Que Fakoche est parti manipuler là. Elle est en larmes parce qu'elle me connaît. Cette fille-là, c'est moi qui devais l'installer à Yaoundé. Partie de la misère là où elle est, au Togo, où elle est en exil, où elle est au Togo, au Bénin, où elle est même, où je ne sais pas. Jusqu'à dire que je l'envoyais au Bénin pour qu'elle cherche les clients de pratique. Parce que moi, je suis chrétienne. Qu'elle cherche les clientes de pratique de maraboutisme tranquillement, ce n'est pas moi. Je n'ai pas besoin de ça, j'ai beaucoup de charme. J'ai beaucoup de charme. Après 20 ans de mariage, mon mari me dit encore tous les mots de 18 ans. Tous les mots de 18 ans, il me les donne encore. Hein? Tu as compris ça, Zoa? J'ai dit, hein? Nathalie Ngacha, j'ai dit, hein, c'est versé. C'est tout ce qui est dans les jambes là, jusqu'au sac à main. Vous avez vu que le seul sac à main que j'ai pour le moment là, c'est le sac que ma maman m'a offert. Le Fendi, elle m'a offert un Fendi, elle m'a offert un Gucci, elle m'a offert un Dior. C'est ça que j'ai. Le reste là, et le Chanel que j'ai eu acheté. Le reste là, c'est là-bas dans l'autre chambre. Ça y est. C'est ça qui est ça. Puis ma maman ne fait que m'ajouter les choses. Elle ne fait que me faire les cadeaux. Hein? Elle ne fait que me faire les cadeaux. Zoa, j'ai dit que tu digères d'abord ce que je suis en train de te faire là. Quand tu vas finir de digérer, je vais relancer le deuxième bim. Ça sera le titre foncier. Digère d'abord ça, c'est à mon rythme. À 12 secondes du président de la République. Et je voulais passer aussi un message à Amot. Bipez-moi Amot.
Vendomatin, bipez-le-moi. Et vous me partagez. Ça. Bipez-moi Vendomatin. Exactement, Nathalie. Ça ne se discute même pas. Toi-même, tu sais. J'ai dit de me biper Vendomatin à Mott. Voilà. Bipé. Sa maison, c'est l'église EPC 18 ma Église EPC. Jusqu'à dire que ses meubles sont comme les meubles de David Eto. David Eto, c'est ta référence. Les conneries. De toi, tes meubles, c'est Eligue Djoa. Pour David Eto, c'est Turquie. Tes meubles, c'est Eligue Djoa parce que tu ne connais pas. David Eto, ce n'est pas une référence en matière de mode. C'est pas une référence. C'est pas parce que tu t'appelles David Eto que ce que tu achètes, c'est du beau. Hmm? Comprends ça comme ça. Ça, c'est Natuzzi. Si c'est Natuzzi ou quoi. Ça, c'est les meubles, ils sont italiens. Mes meubles, tous les meubles sont italiens. Regardez, regarde la beauté d'une lampe. Attends. Qui t'a dit que David Eto, c'est une référence de luxe? Hein? Jusqu'à dire que David Eto a les meubles et Camille Brillant. Brillantine. Attends. Attends, je vais te montrer quelque chose. Regarde. Ça, c'est italien. Ça, c'est ma bouteille d'eau. Regarde une lampe. Ça, c'est du contemporain, design contemporain. Ça, c'est une lampe, Zoa. Regarde une lampe. Regarde une lampe. Ça, tu ne trouveras pas ça en Turquie. Tu veux voir combien elle coûte? Tu me parles de machin. Tu veux savoir combien elle coûte? Attends, je te montre son prix. Attends, voilà le prix de la lampe. Attends. Tac. Tu as vu le prix? Voilà. Lampe de chevet. Ah, attends. Attends. Peut-être avec la lumière. Voilà. Voilà le prix. Tu as vu? 91 900. Tu as compris? Voilà. 91 900 la lampe. Tu es à 100 000 francs une lampe. Les deux lampes, ça fait 200 000 presque. Ça, c'est du contemporain. C'est italien. Tu parles des meubles de David et de les machins qui brillent la brillantine. T'as pas ces lignes, tu vois. Tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas le cœur. Non seulement tu n'as pas le moyen, tu n'as même pas le cœur. Et tu n'as pas de style, tu n'as pas de goût. Parce que tu n'as pas fait l'Europe. Tu as fait les poufs en Europe. Tu as même quoi aux yeux comme ça, ma? Moi, quand je n'ai pas les faux, si je mets du mascara. Hmm? Je mets du mascara sur mes cils. Tu as mis quoi sur tes yeux comme ça, ma? C'est les feuilles de palmier. Hmm? Voilà le prix d'une lampe. 100 000. Les deux lampes comme ça, là, regarde. C'est 200 000. Et mes rideaux d'abord. Mes rideaux d'abord, c'est de la dentelle. Donc, c'est la dentelle. Je ne sais même pas comment t'expliquer ça. Je vais te donner l'adresse de mon décorateur, celui qui n'a fait que les rideaux. Et ce lit, c'est Natuzzi. Si c'est Natuzzi ou Natuzzi, italien. Italien. Ce n'est pas de la rigolade. Hein? Tu peux prendre le balai de la cour, tu mets sur les yeux. Tu dis que tu as fait le make-up. Mais tu as même mis quoi sur les sourcils? Qui t'a dit qu'on met encore le crayon noir sur les sourcils? Tu es ancien d'église. Regarde comment avec mon crayon. Va m'enlever, ça va me nettoyer le charbon qu'on t'a mis. Natuzzi, voilà. Va sur le site. Tu vas voir tous ces meubles sur le site Natuzzi. Moi, j'ai fini les hivers en Europe. Je viens mettre les meubles turcs chez moi. Sauf si je suis malade. Les meubles turcs chez moi, je t'avais dit que je ne mets pas de la Turquie. Maintenant que je t'ai fait le bim. Hein? Tu peux prendre le balai de la cour. Le balai de la cour. Tu attaches, homme, te mets, tu la.
Voilà les yeux des autres. Les yeux des autres. Attendez un peu. Attendez. Il y a les images ici sur mon truc. Ouais, je ne sais pas si je peux trouver ça. Ouais, attendez. Ouais, attendez un peu. Attendez. Ouais. Est-ce qu'il y a mes gifles là? Non. Attendez un peu. Ouais, Seigneur. Elle a mis quoi comme ça sur ses yeux, mes gens? Hein? Elle a mis quoi comme ça? Mais c'est toujours le nyanga comme ça. Sois soft. Tu as mis quoi sur ta bouche comme ça? Même le rouge à lèvres, tu n'as pas mis. Hein? Le rouge à lèvres, c'est la graisse du porc teinté. C'est ça que tu mets sur tes lèvres. Toi, tu veux venir parler à Madame Chapuis. Tu as vu les produits que Madame Chapuis met sur elle. Maman, pour les rondeurs. Les rondeurs, il y a ça. Demain, on va faire les cours. On va faire un cours de bien-être. Non, ce n'est pas demain, lundi. Parce que comme la femme de ménage va venir tout nettoyer, on va me poser la chaise de ma coiffeuse. On va faire un cours. Hein? Mais bien sûr, Nelly. Hein? Bien sûr. Est-ce que tu peux avoir une marraine? Une marraine comme celle que j'ai là. Et tu peux commencer à bricoler les choses. Hein? Celle-là parle des États-Unis, je ris même. Ma marraine a mangé avec la femme de Bill Clinton. Avec la femme de Machet. Ma marraine a mangé à la Maison Blanche plusieurs jours. Plusieurs fois. Hein? Ma marraine a mangé aux Champs-Élysées. Donc, quand je suis là, je suis avec une personne qui a déjà vu. Toi, tu es arrivé aux États-Unis. Même pas un polo Ralph Lauren. Même pas un casquette Ralph Lauren. Calvin Klein, qui est versé aux États-Unis. Je ne t'ai même pas vu avec un paire de baskets Calvin Klein. Tu dis que tu es aux États-Unis. Hein? Tu es là avec le balai de la cour sur les yeux. Sois le balai de la cour sur les yeux. Mais tu as mis quoi sur ta tête comme ça? Va te faire les nattes. Regarde comment. Va te faire les nattes. Ou alors tu viens, regarde le tas de perruques que j'ai là. Tu viens, je te donne les perruques. Qui t'a dit qu'avec un visage comme ça, on peut mettre les coups cheveux? Les cheveux bouclés. Les machins de... comment on appelle? Les perruques de 5000, 6000. Bouclés. Tu es là comme... C'est vrai que tu vends le vianga quand même. Mais quand même. Non, enlève-moi ce machin que tu as sur la tête. Et le charbon qu'on t'a tracé ici, ma. Le charbon. Toi, tu viens, tu dis que appelez-moi Chapuis ici. Tu peux me prononcer. Regarde comment je suis habillée chez moi. Zoa, je vais te finir. Là où je suis déjà à 10 secondes du président de la République, là. J'ai fini avec toi. Je vais finir avec toi. Je vais finir avec toi. Hein? Je ne savais pas que tu me suivais comme ça, hein. Juste à dire que je n'ai pas de papier, que je n'ai pas de passeport français. Zoa, c'est toi que la France et l'Europe impressionnent. C'est toi que l'Europe impressionne. Moi, j'ai déjà pris ce que j'ai à prendre en Europe à vie. Et ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. Parce que j'ai ça. À vie, j'ai déjà pris. Tu as compris avec quoi? Hein? Tu as compris avec quoi? Toi qui vas en Europe tous les jours, toi qui vas en vacances, tu peux même faire quoi en Europe? Parce que quand je vois ta maison, il n'y a pas de vie dedans. Depuis le matin, tu sais, je n'ai pas mis le nez dehors. Hein? Tellement je suis bien. Tellement je suis heureuse. Tellement j'arrose mes plantes. Tellement je réfléchis sur la déco. Ce qui manque à tel endroit. C'est comme là maintenant. Il faut que je me fasse des portraits pour la chambre. Il faut que je fasse des portraits pour de mes enfants. Et tout et tout. Je réfléchis. Je prépare la crémaille parce que ma mamoune va venir ouvrir le champagne dans cette maison. Les grands, les wafers. Nous, on est dans les wafers. Toi, tu es là que tu es passé au palais de congrès. Maman, je t'ai déjà dit que hein, c'est Moto Digo. Moto Digo. Le cas qui part. Nous, quand on part, on ne récupère. Tu es parti faire quoi au palais de congrès, ma? Tu es parti faire quoi au palais de congrès? C'est déjà le passé. Nous, on est au golf.
Là, c'était 2 minutes 30 secondes, 20 secondes du président de la République. Mais là, c'est 12, c'est 10 secondes du président de la République. Tu peux encore chercher quoi là où il y a 2 minutes 20 secondes? Hein? On est déjà à étudier. La preuve en est que là maintenant, comme ma femme de ménage n'était pas là, moto d'igo, je vais me lever maintenant et je peux commander la nourriture au mon fébé. Qui dit mon fébé dit étudie. Anna Wama, je n'ai pas commandé la bouffe à emporter. C'est ça qui est ça. C'est le luxe insolent. Mon luxe, c'est étudier, c'est maman bébé, c'est ma mère, c'est ça le luxe. Est-ce que Amot est déjà là? Amot est là. Bon, moi, je vais m'adresser à Amot. Amot, si je suis resté longtemps sur le clash avec toi, je ne fais pas le aide-moi à détester. C'est parce que quand je faisais des problèmes avec Zoa, tu as appelé Zoa pour dire que je sors avec un gars que tu connais, qui est un agent communal, qui a été en prison, tu as été. Zoa me l'a dit. Et que je ne te devais rien. Et que tu as raconté des histoires sur moi. C'est de là où j'ai décidé de m'asseoir sur toi. Tu as compris? Beaucoup de gens m'ont dit de te laisser. J'ai dit, je ne te laisse pas jusqu'à ce que tu me portes plainte. Parce que j'ai les preuves que c'est toi qui as demandé à Zoa de me clasher. Je ne sais pas si on avait quelque chose en commun, je ne pense pas. Mais à partir d'aujourd'hui, j'arrête de te clasher. J'arrête de t'insulter. Parce que maman bébé m'a parlé. Uniquement pour elle, j'arrête de t'insulter. Et je te dis, de dire à ton acolyte, Lolo Fodja, de ne plus m'attaquer. De m'ignorer. Parce que si elle ne m'ignore pas, ça reverse sur toi. Mais comme maman bébé m'a parlé, c'est ma mère. C'est ma mamoun. Je ne vais plus jamais te clasher. Mais comme c'est toi qui as demandé à Zoa, et tu m'as saboté chez toi. Sache que tu me dois une bouteille de champagne. Même comme je ne bois pas. Ça sera sans alcool. Tu dois me donner une bouteille de champagne. Parce que je ne t'ai pas cherché, mais toi, tu m'as cherché. Tu comprends, non? Moi, je ne vais plus jamais t'attaquer. C'est parce que là où on t'attaque, je te défends. Que ce soit toi. Quand je dis toi, c'est-à-dire votre couple. Je ne t'attaque pas parce que tu ne t'entends pas avec Flore. Je ne me mêle pas. Je ne fais jamais le aide-moi à détester. C'est parce que Zoa n'a pas caché ton identité. Parce que dès qu'elle t'a dit, dès que tu lui as dit, quand elle a cru que j'allais me réconcilier avec elle, elle m'a dit que c'est Amo qui m'a dit. Même quand on l'a convoqué, quand elle est partie supplier ce gars, elle a dit que c'est toi qui avais tout dit. Voilà pourquoi je me suis assise sur toi. Et je ne donne jamais le premier coup. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous avons une même mère et je te respecte. Je dis bien toi et ta femme, c'est fini les problèmes. Grâce à la mamoune. L'autre qui est à côté là, on ne la connaît pas. Parce qu'elle-même a dit dans leur groupe, elle a dit dans leur groupe de ténébreux que toi, Mot, tu avais dit que ma maman n'avait plus aucun pouvoir, tout ça, tout ça. Tu sais que tout ce que tu as dit, elle a dit dans leur groupe. Et j'étais au courant. Donc tu fais gaffe. Tu la mets, pose très loin. Pour toi et ton épouse, la guerre est enterrée. On se respecte. Voilà. Donc, c'est ça. Pour ma mamoun, je te colle la paix. Voilà. Donc, Fakochère, à partir d'aujourd'hui, tu as compris que ça, c'est ma chambre. Ça, c'est ma maison. Ça, c'est mon camp. Digère d'abord ça. Le prochain bim, ça sera dans quelques jours. Et va te chercher. On n'est pas pareil. Et tu me nettoies le visage là. Je ne sais pas qui t'a tracé les conneries là. Va me nettoyer ça.
Tu comprends? Voilà. Léa Esther veut participer à votre vidéo. Elle veut participer pour dire quoi? J'accepte. Voilà. J'accepte. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Moi, je t'avais dit que je t'avais dit que je ne vais jamais. Je t'avais dit que je ne vais jamais. C'est pas qui c'est. Allô? 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 Bon, je t'avais dit que je ne vais jamais cotiser ou acheter un bien. En France, je n'ai pas cotisé pour avoir le bien que j'ai. À Essor, je n'ai pas cotisé pour avoir le bien que j'ai. Mais toi, tu es obligé parce que tu n'as pas de revenus. Tu tâtonnes dans ta vie. Moi, je ne tâtonne pas. Tu as compris. Et je ne fais pas la concurrence avec toi. Parce qu'on n'a pas les mêmes vies, on n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes revenus, on n'a pas la même vie en gros. Là où tu es, moi j'ai déjà dépassé ça depuis plus de 15-20 ans. Là où toi tu es là, là où tu es dans ton machin, je t'ai toujours dit qu'après le palais de congrès où j'étais, je ne vais jamais aller plus loin que là où je suis. Je vais m'approcher du président Paul Biya. Et quand je parle, je sais sur quoi je compte. Je sais sur quoi je me base. Tu as compris ça? Et oublie-moi, on n'est pas pareil. Va d'abord apprendre à laver ton visage parce que tu es sale. Et tu viens, je vais te montrer comment tu fais le petit make-up de la maison. Rien ne prouve que tu as même déjà pris l'avion. Toi, quand tu prends même l'avion, c'est pour aller où? Tu peux même apprendre quoi en Europe? J'ai raccroché. Je vois même pas Ben sur toi. Hein. Il n'y a rien qui regarde, qui ressemble à Ben sur toi, Fakoche. Tu ne ressembles à rien. Regarde le machin que tu as tracé là. Qui a dit même qu'on trace encore le charbon sur les sourcils? Parce que là, c'est le charbon. Où tu as mis l'encre? Où tu as mis quoi? Oh, jusqu'à mettre le balai. Tu es quoi? Maman, le balai. On dirait le balai comme balai la route. Le balai de Yaoundé 4, la mairie de Yaoundé 4, tu es comme ça. Le balai de la mairie de Yaoundé 4. Qui t'a dit qu'on met les gens de cils là sur les machins? Avec la colle forte. Maman, la colle à bois de ça. Zoa, lundi, j'ai l'esthéticien qui viendra me. Et va faire les soins en institut. Va entrer dans le cas, on te racle le corps. Arrête de faire venir les gens qui appuient ton visage à la maison. Va en institut. On te met les appareils sur le visage. On te décape le cou. On te décape le cou. Parce que tu as une espèce d'escalier. Noir, blanc sur le cou. Parce que tu as la peau. À l'intérieur, c'est brûlé. À l'extérieur, c'est blanc. Va en institut. Avant de prononcer le nom de Chapuis. Tu as compris? Tu as vu la table, la coiffeuse d'une femme. Tu as vu la moelle de douche d'une femme. Et je n'ai même pas encore chargé. Attends que je me repose. Parce que cette semaine, c'était les meubles. La semaine prochaine, c'est les produits. Ici, là, c'est comme ça. Toi, tu viens me prononcer, appelez-moi Guylaine. J'ai vu une sale femme comme ça, elle parle avec toi. Ne prononce plus mon nom. Tu es sale. Va te décaper. Va te décaper la peau. On te fout le cachet dans un institut. On te met comme ça, la peau, que la saleté quitte, les peaux mortes. Tu as au moins 60 couches de peau morte sur toi. Oh, tu as au moins 60 couches de peau morte sur toi. Regarde tes doigts. Regarde tes doigts. Zoa, tu as vu tes doigts? Hé, hé, hé. Ou yen momoué. Et moi, tu voyais à Nyuna ou à l'eau, Guylaine Chapuis. Hein? Tu connais, tu sais.
Attends, je te montre les produits des mains. Attends, je te montre les produits des mains. Tu crois que je mets n'importe quoi sur mes mains? Je vais allumer, je vais te montrer. Tu comprends? J'ai tout jusqu'au produit des mains. Hein? Tu ne peux pas parler comme ça. Tu ne prononces pas mon nom. Hein? Ça, c'est le nettoyage visage. Soin idéalement, c'est ça. Soin idéalement de Clarence. Soin idéalement de Clarence. Voilà la crème de Clarence. Avec ça, tu n'auras jamais de quinto. Bon, je ne peux pas tout te montrer parce que le reste, c'est la présidence qui m'envoie. Hein. C'est la présidence qui s'occupe de mon esthéticienne. Hein. Je suis chez moi, là. Tu as compris ça? Tu as compris ça? Hein? Si tu étais heureuse chez toi, tu crois que je peux encore quitter si je pas. Tu étais heureuse chez toi, tu pars chercher quoi dans les appartements, meublés au diable. Tu peux faire quoi là-dedans? On est heureux, quand on est heureux chez soi, moi, quand on est heureux, est-ce que tu devais encore sortir de là pour dire que tu peux rester dans un appartement meublé? C'est peut-être pour avoir un peu d'eau chaude. Parce que moi, c'est normal, hein? Peut-être qu'il te faut un peu d'eau chaude, hein? Moi, je me lève, j'ai l'eau chaude 24 heures sur 24, hein? Partout, jusqu'à la cuisine, comme partout où j'habite. Est-ce qu'on est pareil? On n'est pas pareil. Moi, je te laisse et toi, tu me cherches à chaque fois. Il est 19h14 au soir. Ce que je vais faire, c'est que je m'avais commandé la nourriture, mon bébé, à emporter. Je vais commander la nourriture, mon bébé. Alors, va chercher ta cible ailleurs. On n'est pas pareil. Va chercher ta cible ailleurs. On n'est pas du même monde. Non, 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 non. Comme tu as dit que je n'étais pas chez moi, que tu peux prouver que je ne suis pas chez moi, tu montres la chambre. Zoa, j'ai changé ma chambre. J'ai changé ma chambre, Zoa. Tu n'as pas compris quoi? Tu n'as pas compris quoi que j'ai changé ma chambre? Hein? Quand je te montre mes sandales, regarde mes sandales. Tu n'as pas compris quoi? Je suis benguiste ou je ne le suis pas. Je commence à monter, je n'ai pas monté. Hein? C'est où ma chemise? La chemise qui était là. Ah, hein? Qui t'a dit? Ou je suis benguiste ou je ne le suis pas? Qui a dit qu'une benguiste monte et démonte? Tu crois qu'on déjà c'est quoi? On déjà c'est quoi? Attends, il faut même que je te montre. À moi de rangement. Non, non, il faut que je te montre le prix de la chambre là. Hein? C'est ça. Il faut que je te montre, Zoa. Parce que là, tu peux être comme ça, que tu confonds tout. Voilà la chambre. C'est ça ici. Chambre à coucher. 180 sur 200 noirs plus deux chevets. Tac. 2 545 000. Tu as compris? Salle à manger. 90 sur 70 soit 54. Hein? Ça. 1 150 000. Ça, c'est la table de la salle à manger. Voilà. Chaise. C'est ça. Chaise, salle à manger. 90 sur 70 machin. À l'unité, 331 000. Ce que je te cite jusqu'où? La console vitrée. Ça, c'est la console qui est à l'entrée de ma chambre. La console, 137 000. La console. Lampe de table. Lampe de table. 92 000. 478, une seule. Matelas, Zoa. Regarde le prix de mon matelas. Matelas, 180 fois 200. Tac, tac. Attends, matelas, attends. Matelas, 180 sur 200.
Ça fait quoi? 1 177 000, le prix de mon matelas. Après maintenant, meubles TV, Milano. Quand je te dis que mes meubles sont italiens, tu crois que je blague? Meubles TV, Milano, là où est posée ma télé. 1 126 000. Tu veux que je te cite jusqu'où? Miroir rond, dans le miroir qui est à l'entrée de chez moi, là, de ma chambre. Miroir long, rond. 131 000. Tu veux que je commence, continue à lire? Je ne vais pas continuer à lire. Ça va te servir à quoi? Ça va te servir à quoi? Tu as dit que je te sortais les factures, j'ai sorti les factures. Tu vas encore demander quoi? N'importe quoi. N'importe quoi. Ça qu'on appelle facture crédibilité. Tu vas mourir de jalousie, hein? Je t'ai dit de m'ignorer, je t'ai dit de me bloquer. Fais comme ta sœur. Fais comme ta sœur. Ben, on va commander la nourriture, mon frère. Ben. Pardonne-moi mon verre là dans la chambre. Il est monté avec les clés. Il monte soit avec les clés de la voiture, pourquoi? Hein? Hein? Moi, je t'ai dit que tu vas mourir de jalousie. T'ai dit que tu vas mourir de jalousie. Là, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. À un moment, fais comme ta soeur, un vautour. Ça a dépassé un vautour. Elle a fui. Toi, tu essayes encore. Tu essayes quoi? Tu essayes quoi? Ok. Zoa dit que je ne suis pas chez moi. Une folle comme celle-là. Dit que je ne suis pas chez moi. N'importe quoi. N'importe quoi. Zoa, je suis bien chez moi. Je t'avais dit qu'on n'est pas pareil. Hein? Tu as dit que j'étais mendiante. Vous êtes allé trop loin dans vos injures. Mais c'est parce que qui t'a même fait le make-up? Zoa, je venais d'acheter mes trucs de make-up. Hein. Dès qu'on arrange ma chambre, là, je vais te sortir tout ce que j'ai acheté pour le make-up. Livré. Je vais mettre sur la table. Et je vais te montrer ce qui veut dire une femme qui a le make-up à la maison. Tu as compris? Mais comme je vais bien manger ce soir. J'ai mangé des gambas que je vais commander. Il faut qu'on me fasse chanvrer cette bouteille. C'est une belle bouteille suisse. On doit me la faire chanvrer. C'est ça qui est ça. Les belles bouteilles-là attendent ma mamoune. C'est ça qui est ça. Ce n'est pas ton niveau. Ce n'est pas ton niveau. C'est une très belle bouteille suisse. Ça, c'est ce que j'ai bu chez Carole Abena. Et j'ai confirmé que la petite la connaît. Là, le vin que nous avions vu chez Carole Abena. Tout téléphone. Bisous à vous. Tout à l'heure, parce que je vais commander la nourriture au Mont-Fébé. Parce que nous, les gens d'étudient, quand on ne peut pas faire manger, on peut commander au Mont-Fébé. C'est la famille. C'est affaire familiale. Avantage des voisins, des bons voisinages d'étudient. C'est ça qui est ça. Oh, ah, Zoa, tu vas venir faire le ménage ici. Moi, j'ai déjà arrosé mes plantes. Mes plantes sont arrosées. N'est pas pareil. Toi, tu es à Oja, tu viens parler aux gens du golf, aux gens de Bastos, aux gens du golf. Parce que là, c'est le cœur du golf. Wata, c'est le cœur du golf. Je t'avais dit. Que je n'irai plus jamais plus loin que 2 minutes 20 secondes. Si je pars de là, ça sera moins de 2 minutes 20 secondes du président de la République. Et voilà la preuve. Et dans moins d'un mois, il y aura une autre prime. C'est comme ça. Dans moins d'un mois, tu vas quitter Facebook.
On va te, tu vas, ma soeur va te dire que c'est elle qui m'accompagne à en Inde pour aller voir les marabouts. Parce qu'elle sait que tu vas lui dire que prends-moi, amène-moi aussi. Comme ça, elle se fait. Vous me faites rire. Je suis la bosse de soi à vie. À vie. Et tout ce que je suis en train de trier comme habit, là, moi, je vais te donner, hein, parce que tu es nu. Je vais te donner les habits. Et ça me dérange. Tu n'as pas de vêtements, tu n'as rien. Regarde, quand je te vois avec les machins transparents, les sandales, regarde la sandale d'une femme. Regarde la sandale d'une femme. Sandale de maison. Regarde. Regarde. C'est ça la sandale d'une femme. Tu marches avec rien que sur les tapis de la maison, sans poussière. Parce qu'il n'y a pas la poussière au golf. Il n'y a pas la boue ici, maman. Il n'y a pas la poussière ni la boue. Tu as compris? Et le soleil ne brille pas au golf un jour, un jour. C'est pour ça que les gens du golf passent sont eu pour un jour, un jour. Soit ta peau n'est pas brûlée, brûlée pour rien. C'est le lac. Chaque quartier a son soleil. Chaque quartier a son soleil, Zoa. Tu vas chercher. Tu as dit qu'on m'appelle. Je suis venu. Tu as dit qu'on m'appelle. Je suis venu. Tu m'as dit qu'elle vient te laver. Le soleil de. Le soleil de petit marché, c'est ça qui te brûle. Ici, il n'y a pas le genre de soleil à Bastos. Regarde ma mamoune. Quand ma mamoune apparaît, c'est comme si on l'a sorti du frigo. Elle s'est habillée pour ça. Nous, on a plus ce genre de soleil. Maman, à 16h, la fraîcheur de ça. La fraîcheur de ça. La fraîcheur. Tu fais seulement un petit gommage comme ça. Ta peau est déjà rafraîchie, le froid de ça. Maman, ce n'est pas petit marché ici, le soleil de ça. Ah, ça qui est ça. Tu m'as appelé, non? Mais Jean, est-ce qu'elle est cherchée? Elle n'est pas cherchée. Ma, la table, si elle, maman. Les Italiens, oh là là, elle est belle cette table. Oh putain, oh là là, elle est magnifique cette table. Oh là là. Zoa, tu as vu les pieds de ma table? Ta salle à manger, je ne l'ai même jamais vue. Hein? Est-ce que tu m'as jamais montré ta salle à manger? Ta salle à manger, même où, ma? Ça l'a mangé où? Et ils ont mangé déjà? Oui, ils ont dit que ça va. Ou eux, ils ne mangent pas? Je lui ai demandé que ça va. Ils ont... Ok, donne-moi alors quelque chose de planter. Pardon, pardon. S'il te plaît. Hein? Le froid, oh, le froid du golf, le froid de Bastos. Moi, si tu n'habites pas le golf, Bastos. Tu ne peux pas avoir la qualité de peau que nous on a. Regardez. La peau de Zoa ici, le cou est noir, blanc, noir, blanc. Il y a les escaliers sur le cou de Zoa. Zoa, c'est toi qui m'as appelé. Hein? Zoa, c'est toi qui m'as appelé. Zoa, je n'étais pas cherché. Zoa, est-ce que moi j'ai été cherché? Merci. Est-ce que moi j'ai été cherché? C'est toi qui m'as appelé. Tu as dit qu'appeler moi, j'appuie ici. Zoa, me voici. Me voici. C'est ça. Je peux même pas. Oh, je ne peux pas, tu vois. Dans tous les coins de ma table, il y a le set. Regarde le set de chez moi. Dans tous les coins de ma table. Dès qu'on veut me poser quelque chose, il y a un set. Si je me pose là, je tire là. Il y a un set. Comme ça. Parce que j'ai vécu en Europe. Parce que j'ai vécu en Europe. Je n'ai pas vécu dans les poufs. J'ai vécu en Europe. Regarde. Regarde la couleur de mes sets. Regarde. Regarde avec la couleur de mes chaises. Zoa, tu m'appelles? Tu appelles madame Chapuis?
Tu as quoi oser? C'est le balai du mort bébé. Je te dis à mieux. Essaye de se voir. Tout à l'heure, quand je vais rentrer, je vais chercher le charbon pour mettre. Comme tu as mis. Tu ne sais pas que les crayons marrons existent? Tu es déjà laide. Tu es très laide. Tu es très moche. Regarde sur ton visage. Hein? Hmm? Tu es moche. Hey, on m'a envoyé tes photos. Je ne sais pas si tu te mires quand tu fais tes conneries là. Hmm? Hmm? Est-ce que tu t'es mis? Juste ça, tu m'appelles. Regarde. Maman, le highlander de ça. Le highlander de ça. Le highlander de ça. Ok. Ok. Maman, tu as un œil et demi comme moi. Tu as aussi un œil et demi. Zoa, un œil et demi. Maman. Ok. Les fossiles ont avalé l'œil de Zoa. Ok. Mmh. Le fossile. Hein? Ok. Aïe. 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 Je dis, qui lui a mis le noir là comme ça, mes gens? Est-ce qu'on met l'encre de Chine ici? C'est un beau moment. Ok. Je dis, allez lui dire de m'enlever cette ignace sur sa tête. Dites-lui que si elle n'a pas de perruque, qu'elle fasse les nattes, c'est mieux. Mm-hmm. Mais genre, vous me voyez. Vous me voyez. Regardez. Purée. Purée. Ok. Ah, c'est un beau moment. Regardez la maman de 30 ans. Aïe. Aïe, c'est... plus tu vieillis, plus ton visage change. Bah, hey yeah. C'est un beau moment. Zoa, regarde la couleur de tes doigts. On m'envoyait. Regarde la couleur de mes doigts. Regarde. Et regarde pour toi. Mille couleurs, va. Mille couleurs, mille couleurs, mille couleurs. 150 millions de couleurs. Je vous dis, mes gens, Zoa même dit quoi? Elle a dit que je n'ai pas. Elle a dit que quoi? Parfois, c'est bon d'écouter les directs. Guilherme, mamie, tu veux aller dans les défis avec moi? Je vais te prouver par A plus B que tu n'as jamais déménagé. Faut que j'ai déménagé. Jusqu'à dire qu'elle est passée au palais de congrès. Zoa va louer là-bas. Jusqu'à dire qu'elle est passée que je n'ai jamais déménagé. Hmm? Tu fais le direct à la terrasse. Là, ce n'est pas chez toi. Elle dit maintenant qu'elle a la phobie de l'avion. Regarde-moi, villageois. Zoa, j'ai la phobie de l'avion, effectivement. J'ai la phobie de l'avion, effectivement. Mais je suis dans l'obligation de voyager parce qu'il faut que j'aille faire de belles choses. La phobie de l'avion, ça existe. J'ai la phobie, je n'aime pas l'avion. Et toute ma famille le sait. Mmh. Je n'aime pas l'avion. C'est ça. Bon. À partir d'aujourd'hui, tu m'as fait relever le défi. J'ai monté même ma chambre en désordre, mais ce n'est pas grave. Maintenant, tu sais que je suis ta boss. Mais genre, tout à l'heure, je m'avais commandé la nourriture à notre hôtel, à l'hôtel de la famille. Alors, si tu n'as pas, si tu n'es pas de la famille, tu... Et dès que je rentre avec ma nourriture commandée, je lance le live. C'est ça. Ok, ça. Je lance le live. Oh, là. Mm-hmm. Zoa commence à digérer ça.
Là, dans quelques semaines, c'est si trop forcé que je vais te réveiller avec un matin. Et là, je vais t'ordonner de te déconnecter sur Facebook parce que tu as échoué. Allez, gros bisous à vous. Je vous aime très très fort. À tout à l'heure, dès que je ramène la notice, je lance le live. Et je pense que le message est passé chez Amot. Amot, à partir d'aujourd'hui, on n'est plus ennemi. Tu n'es plus mon ennemi. Et ne fais plus confiance à Zoa. Ne fais plus confiance à Zoa. Parce que c'est Zoa qui a déclaré, quand il demandait pardon à la personne que tu as sabotée, que tu as dit que c'était un agent communal, il a dit que c'est Amo qui m'a dit tout ce que j'ai raconté dans le poste. Donc, là où tu es, elle t'a même créé les ennemis. Un ennemi. Ça ne se fait pas. Donc, aujourd'hui, là, tu es à ma paix et tu me dois un champagne. C'est là que tu dois comprendre que je n'entre jamais dans les aides-moi à détester. J'ai défendu Flore parce que vous l'avez abusé. Et c'était reconnu puisque vous avez apparemment remboursé. Comme tout le monde avait réagi. Mais à part ça, je n'ai aucun problème contre toi. Mais tu m'as cherché et tu as vu ma réplique. Maman bébé m'a parlé. Comme c'est ma mère, on ne désobéit pas. J'ai décidé de te coller la paix. Allez, gros bisous à toi et j'attends mon champagne. Sinon, partout où je vais te rencontrer à Paris, tu vas me donner le champagne là. Bah, tu me connais. C'est ça qui est ça. Allez, bisous à vous, hein. À tout à l'heure, je m'en vais prendre la nourriture à l'hôtel de la famille. Oh oui, c'est ça qui est ça. Zoa va m'enlever ce que tu as aussi là. Et tu me laves ce visage. Et tu pars à maman, on te décape. Avec le cachet, on te décape la peau. C'est le cachet là. J'attends. Non, le cachet qu'on doit te laver avec. Pour enlever les couches de peau morte. Là, tu mets le diable sans, tu ne te nettoies pas. On doit faire comme ça. Pour que tu deviennes comme Guylaine Chapuis. Regarde mon cou. Regarde. C'est le boulot. Allez, à tout à l'heure. On va manger la nourriture du monde fait ensemble. Oh, ah.